suis en train de faire mon grand ménage et j'en profite pour mettre à jour, rafraîchir mes petites décos du solstice qui arrive et de Noël. Donc ça, ce n'est pas du houx, c'est du fragon. Merci Marie. Le fragon, en fait, ça ressemble beaucoup au houx, mais il n'y a pas les feuilles piquantes caractéristiques. Moi, je le trouve dans ma petite forêt, là où je vais. Donc ça me va très bien. Et cette année, c'est vraiment très simple à déco chez nous ici, puisqu'on déjà en fait pas Noël chez nous. Et puis en plus, vous savez, on est en transition entre cette maison et l'autre. Donc on reste assez simple. On avait fait donc le blé avec mon fils. Chaque année, on le fait. Le 4 décembre, on a fait pousser notre petit blé. On avait fait nos bougies aussi de l'Avent. Vous les avez vues dans des petits bocaux en verre. Donc j'avais tassé avec des hortensias séchées et des petites noix. Et du coup, ça tenait les bougies comme ça. C'est mon petit chéri qui avait écrit les chiffres. J'ai cueilli les roses iceberg de mon jardin qui sont encore fraîches. Je trouve que c'est magnifique. En cette saison, ça reflète bien les couleurs du solstice et de Noël. Ça, c'est un petit arbuste que j'ai dans mon jardin. C'est très toxique. Mais je vais en mettre peut-être par-ci par-là. On va voir. Ça rappelle les couleurs. Et puis voilà, je vais ranger un petit peu tout ça et je vous montrerai mes petits arrangements. Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and the chill.
Je suis en train de réaliser les fameuses mince pie, ces petites tartelettes anglaises traditionnelles de Noël. En fait, c'est un mélange de fruits secs, donc il y a du raisin, moi je mets des oranges confites, du raisin blond et donc du raisin noir, une petite pomme coupée en morceaux, cannelle, muscade. Après, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous aimez. Vous pouvez mettre des fruits rouges, il y a des cranberries, du sucre blond. Tout ça va en fait les mijoter pendant une demi-heure. Je vais rajouter un jus d'orange et un jus de citron et les zestes de l'orange et du citron. Et après, je vais décorer mes petites tartelettes et c'est trop bon, trop trop bon. Rien que pour cette odeur, ça vaut le coup de faire des mince pie, je vous dis pas, cette odeur. Oh là là, ce bonheur. Christmas is be white. Enfin, on se pose. Bon, bah, c'est l'heure de la pause. On va parler un petit peu livre ce matin. J'ai un petit peu de temps. Première fois que je vous parle durant ce vlog, je crois. Je vous ai filmé des petites séquences à droite à gauche de nos préparatifs de Noël, de Yule. Je vous filme devant notre sapin de Noël qui est tout sauf magnifique. Mais cette année, pour la première fois, j'ai vraiment lâché prise sur le côté esthétique du sapin. J'ai laissé vraiment mon fils faire de A à Z et mettre lui-même les décorations. Je ne suis même pas passée derrière les rattacher, puisque tous les jours, on a ouvert le calendrier de l'Avent de ma belle-mère. Il y avait toujours des choses à accrocher. Et voilà, il n'y a rien de cohérent. Il y a du rouge, du vert. Mais voilà, je suis fière de moi parce que j'ai lâché prise sur tout ce côté esthétique et c'est bien. Je suis très fière de moi, donc ce qui est important, je pense, c'est plutôt l'énergie qu'on y met et puis la magie de Noël et laisser faire les enfants, quoi. Même si parfois ça rentre pas dans les cadres esthétiques et si c'est trop lisse. Donc avant, j'étais plutôt stricte sur ça, sur le côté esthétique des choses et j'ai beaucoup lâché prise. Voilà. Petite parenthèse, je bois un petit café et je vais me réserver plus tard ma petite tartelette. J'avais vu ça ce week-end, les petites mince pies. Des tartelettes anglaises fourrées c'est des fruits secs avec une pâte. Voilà, j'adore ça. En fait, moi, c'est que donc, je célèbre la roue de l'année, les 8 sabbats de l'année. Et il y a plusieurs livres qui sont assez importants pour moi, que je relis à chaque sabbat, juste avant, pour me remettre un peu dans l'ambiance. Et je voulais vous les partager. Alors il y a cette collection qui est très très connue des éditions d'Anaé qui s'appelle, donc c'est les rituels, recettes et traditions, et donc il y en a un pour chaque sabbat. J'ai les 8. Celui-là c'est celui sur Yule. Pour moi c'est des classiques à avoir si vous commencez à vous intéresser à la roue de l'année. Il y a donc tout ce qui est historique, la première partie c'est histoire, les anciennes pratiques, voilà, les nouvelles pratiques. Alors sur chaque livre, c'est intéressant, c'est que c'est à chaque fois des auteurs différents, donc on a vraiment une petite patte personnelle à chaque fois, je trouve. Selon les livres, c'est plus ou moins personnel. Il y a une rubrique recettes et bricolage qui est très sympa. Il y a beaucoup d'informations, vraiment ils sont très très complets.
Vous avez tout pour commencer les correspondances. Il y a même des rituels. C'est vraiment la base. Et moi, je le relis vraiment chaque année, je les relis avec grand, grand plaisir. C'est toujours un petit rituel pour moi aussi. Dès que je commence à avoir envie de m'y plonger, c'est toujours les premiers auxquels je pense. Après, donc là, on est à Yule. Donc, j'ai celui-là aussi de Mélanie Dasco qui est célébrée Yule. On m'a souvent demandé, est-ce que tu crois que ça vaut le coup de prendre les deux pour Yule? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, celui-là, donc, c'est vraiment informatif, on va dire. Moins personnel, plus global. Celui-là, c'est beaucoup plus personnel et on entre dans une façon de célébrer vraiment différente de ce qu'on peut lire. Donc, il est très intéressant. Hein. Elle a un sacré caractère, l'auteur. Je l'ai lu l'année dernière, il faudra que je le relise, là. Je me souviens qu'elle avait un sacré caractère et il y avait pas mal de choses très, très sympas. Mais moi, personnellement, je préfère cette collection. Et après, donc, outre les petits livres que je relis à chaque célébration, j'aime bien, en fait, les livres où on parle de la roue de l'année, vraiment personnel. Voilà, c'est quelque chose que je cherche absolument quand j'achète des livres sur la roue de l'année parce que j'ai du mal à résister, ça me plaît beaucoup. Je suis très passionnée par les saisons et par les célébrations. Et donc, je vais vous parler de mes préférés. Donc, celui-là, je vous ai souvent parlé de celui-là. Malheureusement, c'est en anglais. J'espère qu'un jour ils seront traduits, ces livres de Hélène Dugan. C'est donc Seasons of Witchery. Et là, c'est excellent. Donc, Hélène nous parle de tous ces. Des 8 sabbats. C'est que sur ça. Hein. Et là, vraiment, il n'y a que des écritures, il n'y a aucune photo. Elle nous raconte vraiment ces célébrations hyper personnelles, quoi. Donc, on rentre vraiment dans son univers, dans ce qu'elle fait avec sa famille, dans les moindres détails. Donc, si vous voulez des récits très chaleureux, très. Hélène Dugan, comme je vous dis souvent, elle est très terre à terre, Girl Next Door. Ce livre, il vous plaira beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aime lire aussi à chaque célébration. C'est Les rites et célébrations de la roue de l'année de Jen Meredith. Alors là, on est dans un univers vraiment différent, puisque pour moi, Hélène Dugan, elle est plus dans un rapport aux célébrations plutôt familiales, assez simple. Là, Jen Meredith, c'est pas du tout pareil. Elle est dans un coven, elle pratique en groupe. C'est vraiment différent. Elle implique aussi son fils dans ses célébrations, si ça vous intéresse. Et là, on est aussi dans une approche très, très personnelle et très pertinente. Ce livre est très intéressant si vous voulez approfondir, on va dire. Je vous le conseille pas en premier du tout. Je vous le conseille vraiment au bout de... Si vous avez un petit peu d'expérience, voilà. Non, il est très intéressant, je l'aime beaucoup. Voilà, Jen Meredith. On est pas mal. Donc, mes dernières acquisitions. J'ai acheté ce livre sous les conseils de Xenia Vetsera. Coucou si tu passes par là. J'ai pas pu résister parce qu'elle avait parlé de ce livre comme un grimoire d'une vieille anglaise qui vit dans un cottage. Voilà. Et la couverture m'a fait trop envie. Il s'appelle Edgewitch Book of Days. Donc il est en anglais aussi. Hein. Là, il est très intéressant puisque. Il est, on va dire, basique. Mais il y a un côté un petit peu. C'est vrai, cottage, un petit peu. Il y a pas mal de recettes. Ça me plaît beaucoup toujours. Et là, on est vraiment dans un truc très très basique aussi. Il est vraiment très sympa. Donc là, du coup, à chaque sabbat, je vais me. Comme je viens de l'avoir, je vais le lire à chaque sabbat. Je ne vais pas le lire d'un coup, je vais me laisser le plaisir de découvrir chaque chapitre. Voilà, celui-là est très sympa, merci Xenia. Mais voilà, vraiment basique, hein, pour moi, pour débuter quoi. Après, on m'a... Donc ça, c'est le livre que j'ai reçu de la part d'Alliance Magique il y a 2 semaines. Je l'attendais avec grande impatience, il est en français en plus. C'est La magie du foyer au fil des saisons, de Anna Franklin. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur celui-là. J'avais trop hâte de le recevoir. Et là, alors j'ai été surprise de voir que c'était pas du tout un livre très personnel, si je peux dire. Pour moi, c'est un livre pareil, un petit peu dans la même veine que celui-là, on va dire. Un petit peu. Qui reprend vraiment toutes les bases, c'est toujours bien. Par contre, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'elle parle beaucoup d'histoire et de folklore. Et j'ai des informations que j'avais pas vues ailleurs. Donc là, j'ai lu donc du coup Yule. Je me suis régalée.
elle parle de la Sainte Barbe, elle parle des choses que qu'on parle pas forcément de premier abord. Pour moi, c'est vraiment un livre de référence culturelle sur la roue de l'année, si je peux dire comme ça. Donc j'ai lu que Yule, donc je pourrais pas trop vous dire. Voilà, il n'y a pas du tout de recette, je crois. Hein. Pas trop. C'est plus, voilà, mois après mois. Ne le commencez, je vous conseille pas de le lire vraiment. Ça va pas vous intéresser si vous le lisez d'emblée. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de la saison et le prendre, voilà, avant chaque célébration. Mais il y a des informations qui me plaisent beaucoup, donc je suis très heureuse de l'avoir. Et vous m'avez demandé la différence entre ces deux livres, par lequel commencer. Donc celui-là, c'est La magie du foyer de Rachel Patterson, pareil, qui a été traduit aux éditions Alliance Magique. Alors là, vous voyez, c'est pas les mêmes la même taille de livre. Si vous débutez, je vous conseille celui-là. Enfin, c'est rien à voir, ça, du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est plus un livre de roue de l'année informative. Celui-là, c'est pas pareil, quoi. Il y a toutes les bases de la magie, il y a vraiment toutes les bases pour commencer, c'est l'idéal pour commencer, hein. La purification de la maison, elle a rien laissé au hasard, Rachel Patterson. Donc voilà, créer une cuisine sacrée, célébrer les sabbats, vous avez un chapitre, travailler avec les éléments, la magie des bougies, il y a beaucoup de choses sur ça, les arts, donc là il y a des recettes aussi à la fin, il y a un petit peu de jardinage magique, il y a des méditations, donc voilà. Je vous ai expliqué les grandes lignes, c'est du grand basique, vraiment pour les grands débutants, je le conseille moi. Oh, il est très bien. Voilà, si ça, vous avez un petit peu d'expérience sur tout ça, non, hein, je ne vous le conseille pas. Mais il est vraiment très très bien. Et du coup, ah oui, de la même auteure, du coup j'ai été surprise que c'était elle, la magie du foyer au fil des saisons. J'avais celui-là, je n'avais pas fait le rapport. Un gros pavé que j'aime beaucoup en anglais, The Heart Witch Compendium, Magical and Natural Living for Every Day. Celui-là, il est très très sympa. C'est un gros livre énorme de recettes. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle a fait ça, je pense. Que ça, c'est vraiment détaillé. Magie verte, recettes. Il y a tout naturel en plus. J'aime bien ce livre. Et là, c'est pas du tout pareil. Quoi. On est dans les traditions, dans le folklore. Celui-là, il est très sympa aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Des recettes de vin, de cidre, de cuisine. Elle parle de la cuisine magique, le bien-être, les remèdes naturels. Enfin, c'est un gros, gros pavé. Hein. Si vous aimez tout ce qui est tambouille, il est vraiment sympa. Donc, bah, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ça. Et dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des livres à conseiller sur la roue de l'année, assez personnels, en français, en anglais. Et puis, voilà. Moi, je vais lire mon petit livre de Yule encore un petit peu, une petite page par jour. Me mettre dans l'ambiance. Et on est beau. Je vous dis à bientôt.